tout d'abord pour vous dire qu'on n'est plus le 11, ça y est, on est le 12. C'est un petit résumé pour les élections. Tout d'abord, pour vous dire, puis je vais rajouter un éclairage, parce que là, on n'y voit jamais rien, il y en a plein les couilles. Avec ça, oui, on y voit trop maintenant. Vigile de Pentecôte, ben j'en étais un, c'était moi. Alors, le truc, c'est que j'y vois rien. Autour de la parole, Bible grande ouverte, de sept lampes, chandelier, d'un petit vase de fleurs diverses, symbole des églises réunies pour prier. Voilà, en fait, c'est pour tout le monde. J'étais multi-surpape. J'étais pas sous-pape, j'étais surpape. Thème. Alors ça, c'est les acouphènes. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2. Bon, ça, c'est exactement moi. Bon, maintenant, c'est trop éclairé. Mais ça va, on s'en bat les couilles. Ici, nous avions... C'est marrant, c'était 13 le chiffre. 13, les bulletins de vote d'aujourd'hui, j'ai tous pris. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si j'avais pas voté t'es l'éternel, je bloque 15 ans, ça va me gonfler. J'aurais voté celui-là, homme, animal, planète. Peut-être bien. Parce que quand les cétacés m'ont dit c'est assez, bon. 150 balettes qui sont suicidées. Après, il y avait celui-là, quota. On sait pas trop. On va pas dire du mal. Ancien responsable du Front National, si on va dire du mal. Il faut déjà être con. Et maintenant, c'est planétaire, c'est pas un pays, une nation. Vous avez fait que de la merde depuis 2000 ans. 2000 ans, on te clouait, maintenant on te cloue plus. Celui-là, je ne sais absolument pas. UPR, Union Populaire Républicaine. Bon, la République, une grosse République. Tu sais, la tête dans le sable et le cul en l'air. C'est mieux pour mieux t'enculer, mon enfant. Ça, on connaît pas non plus. Pour le renouveau du citoyen, c'est des progressistes. Ah bon? Bon, ok. C'est pas là où je veux en venir. Bon, celui-là, c'est Front National. Bon, on s'en bat les couilles. Ils ont pas compris qu'ils ont pas de cerveau, mais c'est pas grave. Ça, c'est quoi? La France a besoin de gauche. Écologie des Verts. Ouf, c'est pas ça non plus. De toute façon, il n'y a rien qui m'a plu. République en marche. Ceux-là, apparemment, ils ont fait un carton avec le Front National. Bon, ok. Bon. Celui-là, il me plaît pas. C'est un nom de mafia, ça. Bon, ça veut rien dire. Peut-être qu'il est brave. Hein. Celui-là, peut-être. Et encore. Lutte ouvrière. Mais ça sert plus à rien de lutter. T'es vendu. Même les bus, ils n'auront plus de chauffeur, même taxi, là. Renault, il est au Maroc, c'est Toyota qui est en France. Faut arrêter les conneries. Là. Celle-là, à la limite, au moins, t'aurais voté blanc. Mais comme je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, F carton, c'est pas tout en camion, c'est pas tout en camon, c'est tout en carton. Là. On sait pas. Inge, j'ai déjà parlé avec lui, j'ai déjà parlé. Pas pareil avec lui. La France insoumise. Mais c'est Merluchon. À l'époque, à Nice, c'était Jacques Victor. Bon. Crâne d'œuf. Celui, c'est Crâne d'œuf. Auguste Vérola. C'est comme si le chiotte, il sent la vérole. Ouais, on va pas dire comme ça. Hein. Bon, je crois qu'il y a 13 bulletins en tout. Et ça, peut-être. Alliance écologique indépendante, Bamoussa, Anthony, suppléant. Mais tout ça, c'était pas pour dire ça. Bon, là, les bulletins, je crois qu'il y en a 13. Il n'y a qu'à recompter. Dans l'enveloppe de mes couilles, l'enveloppe que tu reçois ministérielle à Nice, eh ben,
Ben, dans mon enveloppe, il n'y en avait que 3. Il y avait celui-là. C'est comme quoi c'est même pas présélectionné. Il y avait celui-là. Et puis il y avait celui-là. Alors, à l'instant où je vous le dis, à l'instant où je vous parle, si jamais c'est ça qui sort, qu'il ne reste plus que ça à voter dimanche prochain, c'est vraiment une EGM, une enculerie galactique mondiale. C'est-à-dire tout est calculé d'avance, tout est mensonge et corruption. On vous prend que pour des cons, même si vous y êtes, moi je marche pas dans la combine. Alors c'est un tiercé là. Tu vois? Si jamais il reste que ça dimanche prochain, là c'est vraiment l'enculerie. Mais j'attends dimanche prochain pour le mettre. Là on est le 12 au matin, il est 1h, il est 0h30 et quelques là. Celui-là je le garde en réserve. En plus aujourd'hui j'ai des conneries, j'étais mort de rire. L'enculerie galactique mondiale. José Bové, c'est les OGM. Moi, c'est les EGM. Je vous pisse tout seul à l'arrêt, bande de cons à pognon. Vous n'avez pas que vous n'avez pas de cerveau. Enfin, si. Cerveau à pognon. Vous n'avez pas que vous n'avez pas d'esprit. Non, ça, tu peux pas le voir. À la Coluche, quoi. Il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Tu vois ?